Opération de comptage et de relevé dans la réserve du Marais d'Ille. Appelée suivi d'indice biologique global normalisé, cette opération permet d'évaluer la qualité hydrobiologique d'un site humide basé sur l'observation de la présence d'espèces d'invertébrés. Des espèces polluo-sensibles, donc révélatrices de la qualité de l'eau et du milieu aquatique. La collecte se passe souvent dans l'eau. On a un filet normé avec un cadre de 20 cm par 1 cm et on réalise 8 échantillons sur un tronçon de rivière d'à peu près 100-150 mètres de long. Des prélèvements effectués sur plusieurs points donnés, mais aussi sur différents substrats. Herbiers, branches immergées, pierres, sable, cailloux. Le panel d'échantillons est aussi vaste qu'il n'y a de support de vie imaginable dans un cours d'eau. Ensuite, un long travail de laboratoire intervient. Après la collecte, qui est assez sympathique sur le terrain, en fait, il va falloir passer du temps au labo en termes de tri, puis de détermination. En fait, ça représente beaucoup d'heures de travail et ça donne un aperçu assez fin de la qualité de l'eau sur une année sur notre portion de rivière. De 300 à 600 heures de travail afin de permettre une interprétation précise de la qualité de vie de notre fleuve Picard. Car la Somme recèle de petits affluents qui font sa particularité, notamment dans les ortillonnages. Donc c'est un suivi qui s'effectue effectivement une fois par an, mais une fois par an ne suffit pas. Il faut réaliser ça sur plusieurs années de suite, et même de très longues années de suite, de manière à avoir une tendance qui se dessine. Alors donc depuis 1991, on a des relevés de ce type, des IBGN qui sont réalisés sur le Marais d'Ille, et on aperçoit une tendance selon les tronçons de fleuves ou de petits cours d'eau qui se dessinent. Alors donc on a le fleuve Somme qui semble s'améliorer assez nettement et on a quelques petits affluents qui sont toujours un peu dans le rouge, qui sont notamment concernés par des effluents domestiques certainement. Un bureau d'études effectue lui aussi des relevés pour le compte de la communauté d'agglos sur la vingtaine de communes traversées par le fleuve Somme. À contre-courant des idées reçues, la qualité du biotope local se porte pour le mieux. Et le retour de certaines espèces rares, comme les éphéméridés, très sensibles à la pollution, n'est pas un signe trompeur. Preuve que la sensibilisation et les efforts de chacun portent maintenant leurs fruits.